Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo Happy End or Not sur le manga Tsukidashi 9. Dans ce manga, on suit une équipe de Tsukidashi chargée de mettre en œuvre la loi de réparation en exécutant les condamnés. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire et de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo The Story Begin sur le manga Tsukidashi 9 dans laquelle j'explique tout le début du manga et l'histoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu ce manga, je vous invite à aller aussi voir cette vidéo et à ne pas regarder celle-ci parce que il va y avoir du spoil puisque je parle de l'intégralité de la série qui est terminée en 5 tomes. Si je devais faire une première remarque sur ce manga et résumer mon avis en une seule phrase, je dirais juste que 5 tomes c'était pas assez. Non pas que l'histoire n'est pas construite ni rien, c'est juste que j'ai tellement aimé ce manga que j'étais triste qu'il se termine et j'aurais beaucoup aimé que ça dure beaucoup plus longtemps. Malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de tomes, l'histoire est très prenante et même si ça soulève beaucoup de questions, on a toutes nos réponses. Généralement, dans les histoires courtes, je suis très déçue de la fin, je trouve qu'on n'a pas les réponses, qu'on se pose encore beaucoup de questions et que l'histoire fait un peu bâcler. Et là, c'est pas du tout le cas, vraiment j'ai été conquise du début à la fin. Dans ma précédente vidéo, je m'arrête au début du tome 1 et pourtant il y a déjà beaucoup de sujets abordés, notamment l'histoire et le bien fondé de la peine de réparation, les histoires des exécuteurs, la découverte de l'équipe, les conflits internes aux exécuteurs et les conflits qu'il y a dans la société par rapport à cette loi. Même si ça fait beaucoup de sujets, et ben l'histoire va encore plus s'étoffer et d'autres questions vont être abordées et vont permettre en fait de bien décortiquer toute la question de la loi de réparation. Le premier sujet que je trouve intéressant, c'est l'histoire de la peine de réparation. On va en apprendre plus sur comment cette loi a été adoptée et pourquoi en fait l'opinion publique a laissé une telle chose se faire. Donc ça va être dû à deux affaires qui ont eu lieu juste avant que la loi soit instaurée. La première, c'est un massacre qui a eu lieu dans un lycée, beaucoup d'élèves ont été tués, et malgré le fait que le tueur ait été condamné à mort et pendu, en fait les familles ne vont pas trouver un soulagement, et vont même se rendre sur les lieux de l'enterrement, vont décapiter le cadavre, et vont tuer la mère du meurtrier, pour se soulager en fait de la peine qu'ils ont. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va tuer son père, parce que son père avait tué son grand-père. Et donc en fait ça va soulever la question de la vengeance et un peu de ce qu'on appelle chez nous œil pour œil, dent pour dent, le fait qu'en fait l'enfant il trouve ça normal de faire au meurtrier de son grand-père la même chose exactement qu'il a fait subir à son grand-père. Et donc ces deux affaires en fait ont permis d'instaurer la loi de réparation puisque l'opinion a été choquée par ce qui s'est passé et donc du coup c'est passé crème et les politiciens ont pu mettre en œuvre la loi qu'ils avaient déjà pensée depuis longtemps. Je trouve ça super intéressant de voir le cheminement qui a abouti à cette loi et c'est vraiment un point de l'histoire que j'ai beaucoup aimé. Dans ce manga, notre personnage principal s'appelle Yui Yanagishi et un autre personnage important va être sa meilleure amie qui est journaliste, qui s'appelle Haruka Yanase et qui va mener une enquête sur le milieu des Tsukidashi. D'une part, avec son enquête, elle nous permet en fait d'appréhender un peu plus les conflits internes qui sont propres au Tsukidashi, puisqu'elle va en fait avoir des entretiens avec le mentor de Yui, et c'est un personnage très torturé qui en fait a une part d'ombre importante et qui dit que c'est très dur le conflit interne qu'ils ont de tuer des personnes. D'autre part, grâce à son enquête, on va se rendre compte qu'il y a une part de la société qui n'est pas forcément pour ces exécutions. Et donc c'est important en fait de voir que c'est pas une loi qui est aimée par tous et que ça coule de source pour tout le monde. Les opposants en fait à la loi de réparation, ils vont être encore plus mis en avant grâce à un groupe qui s'appelle Onishi, qui sont un peu des terroristes et qui font des actions pour essayer de mettre à mal la loi de réparation. Ils vont notamment, par exemple, faire exploser l'enceinte du lieu où se passent les exécutions. Enfin, ils vont faire plein de petites actions comme ça pour essayer en fait de... que les exécutions ne se passent plus. J'ai beaucoup aimé cette partie qui parle d'Onishi, où ça permet de mettre en lumière en fait tous les conflits qu'il y a dans la société, et aussi les jeux de pouvoir qui se passent en fait entre les pour et les contre à la loi de réparation, et tout ce qu'il peut y avoir comme magouille, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment une partie intéressante, et ça fait toute la richesse de ce manga. Je trouve que l'auteur en fait il aurait pu se contenter de nous faire voir des mini-exécutions, et faire plein de petites histoires qui n'étaient pas séparées, pas de fil conducteur, mais il a pas choisi la facilité, et en fait en nous montrant tous les conflits, etc. ça nous permet à nous de nous faire notre propre opinion.
opinion et je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est non seulement très bien fait, mais c'est aussi très complet puisqu'il nous fait voir tous les conflits qu'il peut y avoir à toutes les strates de la société. Donc il y a par exemple des dérives au niveau des individus, il va y avoir un groupe qui va se mettre en place qui s'appelle les Dark Tsukedeshi et qui vont en fait venger les familles contre de l'argent. Il y a aussi tout le conflit interne au Tsukedeshi puisqu'il y a des dérives même dans le groupe des Tsukedeshi puisqu'il y a un Tsukedeshi qui est en fait... un serial killer et qui en fait n'est plus satisfait de tuer des meurtriers et se met à tuer des gens qui n'ont rien fait. Et puis il y a un autre Tsukedeshi qui va être une taupe en fait de Onishi et qui va aussi tuer des gens et qui va en fait essayer de détruire l'organisation de l'intérieur. Il y a des dérives aussi à l'origine de la création des Tsukedeshi puisque le Tsukedeshi numéro 0 qui est un peu le créateur du groupe en fait a créé en parallèle du côté légal des Tsukedeshi une organisation qui est légale et qui permet aux familles, si elles le souhaitent, en fait, quand la personne, par exemple, n'a pas été condamnée, eh ben, de tuer aussi de la même manière qu'elle a tué, etc. Exactement comme les Tsukedeshi, sauf que c'est totalement illégal et qui tue des gens qui ont été souvent innocentés ou qui sortent de prison. Si un des créateurs des Tsukedeshi a pu mettre en place cette vengeance illégale, c'est en fait parce que Yuyi avait un frère jumeau qu'il pensait mort et en fait, eh ben, cette personne en fait, a élevé le frère jumeau de Yuyi dans la même circonstance que Yuyi. En fait, il a fait croire aux deux que l'autre était mort et il s'est servi en fait de leur colère et de leur haine pour créer d'un côté les Tsukedeshi et donc Yuyi qui fait partie du côté légal et il se sert de son frère pour le côté illégal pour voir un peu en fait sous forme de petite expérience qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce qui est le mieux. Donc on voit que même au sein des Tsukedeshi et de la création des Tsukedeshi, ils sont même pas sûrs que ce qu'ils sont en train de faire est vraiment le bien. Le dernier niveau qui pose problème, c'est le niveau politique. On va se rendre compte qu'il y a un avocat qui est un fervent opposant à la peine de réparation qui va en fait faire appel au côté illégal des Tsukedeshi, je sais pas comment l'appeler, mais un frère de Yuyi, parce que en fait sa femme va être assassinée par un homme qui va se faire passer pour fou et qui va donc être innocenté. Donc quand il va être innocenté, ben lui il va appeler en fait le créateur des Tsukedeshi, il va demander en fait que bah, cet homme soit assassiné dans les mêmes manières qu'il a tué sa femme. Donc on voit que même en fait dans les opposants, il y a en fait une part de gens qui, une fois qu'ils sont touchés, changent d'avis. Et le côté encore plus pourri, c'est qu'on va se rendre compte que le meurtre de sa femme, à cet avocat, a été commandité par les gens qui sont pour la loi de réparation pour lui faire prendre conscience que eh ben, la loi de réparation, c'était pas si mal. Donc vraiment, le milieu politique est très très corrompu et eh ben, on voit qu'en fait, il y a des dérives à tous les niveaux de la société. À la fin du manga, en fait, il n'y a pas vraiment de camp qui gagne. Même si, par exemple, le tueur en série qui fait partie des Tsukedeshi est exécuté, la taupe est découverte, Yuyi se rend compte que son frère est vivant et vice-versa, et ils vont se battre l'un contre l'autre, mais à la fin, en fait, il n'y en a aucun des deux camps qui gagne, puisque Yuyi eh ben, continue les Tsukedeshi et devient un espèce de chef, et son frère est relâché, on ne sait pas ce qu'il devient, mais il est possible qu'il continue à tuer les gens. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui se passe pour son frère. À la toute fin de l'histoire, une exécution va avoir lieu, donc ça veut dire que les Tsukedeshi ont survécu et qu'il y a des nouveaux membres, et là c'est un nouveau membre qui se pose des questions sur ce qu'il va faire, et pour le motiver à aller exécuter la personne, on lui reparle de l'empathie et des familles. Et en fait, pour moi, c'est mon avis, et dans cette vidéo c'est que mon avis, donc peut-être que je suis à côté de la plaque, mais pour moi en fait le mangaka a voulu de cette manière remettre la famille au centre du débat, et faire voir qu'en fait bah, c'était la famille le plus important, et que dans des cas en fait d'exécution et tout ça, et ben ceux qui souffraient plus c'était les proches, la famille, et que en fait c'était eux qui étaient importants. Alors je sais pas si j'ai raison ou pas, mais en tout cas c'est mon interprétation personnelle. Donc ce manga c'est un gros coup de cœur et je trouve qu'il est très intéressant, qu'il nous permet de nous poser des questions sur la loi de réparation, mais si on va un peu plus loin et si on réfléchit un peu plus en profondeur, ça nous permet de nous poser aussi des questions sur la peine de mort. Et donc je trouve que pour ça il est vraiment très bien, c'est un énorme coup de cœur, donc pour moi c'est un happy end, c'est pas un happy end de genre de conte de fées avec ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, parce que là il y a quand même des meurtres, la loi de réparation continue, etc. Mais c'est un gros coup de cœur et c'est un gros oui pour ce manga. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.